One player remaining. And what a way to finish it off! Fat Trap didn't slow her down at all. Let's move on to the next arena and up to victory. Bonjour, bonsoir, je suis Linko, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un petit peu spéciale encore une fois. Je vais vous présenter tout simplement le jeu Darwin Project, où il y aura peut-être quelques vidéos là, d'ici cette semaine ou la semaine prochaine. Donc, qu'est-ce que Darwin Project? Vous connaissez sûrement le film Hunger Games, c'est un peu le même principe, ils le définissent sous forme de chasse à l'homme, vous allez voir pourquoi plus tard. Darwin Project est un jeu édité et développé par Scavenger Studio, c'est un jeu du coup massivement multijoueur, donc c'est un peu une sorte de Battle Royale, mais je préfère définir ça sur Hunger Games en fait. Donc il y a 10 participants qui sont lâchés sur une map plutôt post-apocalyptique d'après les développeurs, car il faut aussi résister au froid en faisant du feu. Donc il faut craft du feu, on peut craft des manteaux de fourrure, on peut craft des flèches pour se battre, améliorer sa hache, on peut aussi craft des bottes pour aller plus vite, on craft aussi des pièges justement. C'est d'où le nom chasse à l'homme, car en fait on peut récupérer des indices sur sa proie et donc savoir où est l'ennemi sur la carte, et donc après on peut poser des pièges et tout ça et essayer de le chasser justement. Bien sûr, après, vu que c'est un Hunger Games, tout le monde est à armes égales, et ça c'est cool. Tout le monde a juste une hache et un arc et des flèches. Après on peut choisir à peu près ce qu'on préfère, si l'arc par exemple fait plus de dégâts, ou si vous préférez que quand vous tirez et vous touchez l'adversaire, ça vous donne la stamina illimitée. Ensuite on peut choisir un peu tout son stuff et tout ça. On peut aussi donc choisir des pièges à ours, ou plutôt des cages qui enferment votre ennemi. Ou enfin, il y a plein de stuff différents, on peut tous avoir un style différent. Donc c'est 10 personnes lâchées sur une map, divisées en 7 parties. Chaque zone de la map se ferme automatiquement au fur et à mesure de la game, aléatoirement, et ça peut être aussi un show director. Donc ma dernière vidéo portait sur ce sujet, donc je jouais le show director, donc en gros on est un peu le commentateur de la game, on gère un peu tout, on peut fermer des zones, on peut mettre des bombes nucléaires, on peut heal une personne, donc la soigner, on peut lui donner du bois, on peut lui donner du cuir, on peut donner un pouvoir électrique, donc ça c'est un truc spécifique au jeu, on peut avoir des pouvoirs donc grâce à ces composants électroniques, on peut créer un pouvoir par exemple devenir invisible, pouvoir se téléporter, ce genre de truc c'est pas abusé, mais justement quand on a un, t'as un peu l'avantage, mais tout se joue vraiment, et au sens et tout ça, à Louis surtout par exemple, quand t'entends un personnage arriver, comme dans beaucoup de Battle Royale d'ailleurs, mais là c'est plus, c'est un peu plus petit comme Battle Royale, car c'est que 10 personnes sur une carte, mais dès qu'il y a un fight, c'est plutôt intense, donc vraiment les gens jouent leur vie en fait, et ça c'est ça qui fait que c'est juste par rapport au skill le jeu. Donc voilà, donc le but c'est d'être juste le dernier en vie. Il y a un mode solo, un mode duo. Tu peux aussi t'entraîner contre des bots. D'ailleurs, la plupart des exemples qu'il va avoir ici, ça sera contre des bots. Enfin, les exemples que je mets dans la vidéo là. Parce que c'est plus simple pour pouvoir me montrer un peu tout ce qu'il y a dans le jeu. Donc, le but c'est d'être le dernier en vie, de survivre à tous les adversaires en essayant de faire quand même des kills. Et de survivre aux conditions climatiques assez extrêmes dans ce jeu par rapport au froid et tout ça. Voilà. Donc, on a à disposition beaucoup de choses pour aller plus vite, de stuff. Qu'on peut récupérer donc sur la carte, récupérer des composants électroniques, récupérer du bois, récupérer du cuir, et c'est un peu tout ce qu'on a à faire, et donc craft des objets et essayer de se fight et d'être le dernier survivant. Voilà, voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura donc intéressé et appris des choses sur ce jeu, où il y aura pas mal de vidéos je pense d'ici quelques semaines, comme je vous ai dit au début de la vidéo. Tu peux commenter, liker, t'abonner, partager la vidéo, moi ça me fait plaisir en tout cas, et n'oubliez pas que vous êtes unique, votre histoire est unique. Allez, salut tout le monde!